Moi ici, j'ai eu deux enfants, une fille et un garçon. Et puis qu'ils ont grandi au Bois Blanc tous les deux. Ma fille, elle a connu que le Bois Blanc et mon garçon aussi. Et puis, désolé. Hein. Tu peux répondre. Réponds. Sur le projet des aviateurs, il n'y a pas eu de concertation. Il y a juste eu une information qui a été réalisée auprès des habitants des aviateurs à la veille de Noël 2019, où avec un PowerPoint, très sèchement, ils ont appris à la fin que 3 barres sur 6 seraient détruites. Lorsque j'étais ado, quand j'avais 15, 18, 20 ans, en fait, c'était encore une blanchisserie qu'il y avait là. Les aviateurs, oui, c'est un groupement d'HLM qui sont au Bois Blanc. Donc, la vie des aviateurs, elle est liée aussi à l'histoire des Bois Blancs. Hein, ça, il faut bien le savoir. Il va me remettre une baffe. Ouais. Je le vois arriver. Je le vois attention, arriver. Clap Jean-Yves. Tiens, si on va faire un tour au Bois Blanc aujourd'hui. Oh, ben, faudrait me virer ça, faudrait faire ça. Faut voir la vie des gens qui vivent, là. C'est leur vie aux gens, là. Hein? Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible dans l'histoire. Ils vont détruire toute la rue ici, et ils ont changé toutes les chaudières. C'est pas normal. Ouais. Ils auraient pu changer le lino. Tant qu'à faire.